Hello, c'est Florian de Easy Piano, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer dans cette vidéo un accompagnement blues qu'on peut faire à la main gauche et qui sonne à la fois blues et jazz en même temps, puisqu'on va utiliser des accords qu'on appelle des voicings, donc avec des 9e, des 13e, qu'on retrouve énormément en jazz. Alors si vous voulez voir à quoi ressemblent ces voicings, eh bien on se retrouve tout de suite. Je vais d'abord vous montrer un petit peu comment est cet accompagnement blues à la main gauche et je vais improviser quelque chose sur la gamme pentatonique à la main droite, mais c'est surtout pour écouter l'accompagnement main gauche. Comme ceci. Alors vous voyez que c'est un accompagnement qui fait très blues mais qui sonne un petit peu jazz en même temps. C'est parce qu'on a utilisé ce qu'on appelle des 9e et des 13e. Alors il faut savoir que là j'ai joué un blues en do, donc on a trois accords. Normalement le blues en do c'est do 7e, puis fa 7e et ensuite sol 7e. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les accords de 7e, si vous ne comprenez pas trop comment les construire, il y a un lien en description qui vous permet d'accéder à un cours gratuit de 20 minutes où je vous explique tout ça plus en profondeur. Alors si vous n'êtes pas au clair, vous pouvez cliquer sur le lien en description et revenir à la vidéo un peu plus tard. Donc on va avoir ces trois accords, Do 7e, Fa 7e et Sol 7e. Pour le Do 7e, on va ajouter ce qu'on appelle une 9e. Qui est le Ré, donc la 9e, c'est la 9e note en partant depuis le Do, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pour ça qu'on a le Ré, ce qu'on appelle la 9e, qui est énormément utilisée en jazz. Pour éviter d'avoir trop de notes, en général, à ce moment-là, on va retirer le Sol, comme ça on n'a plus que le Do, la tierce, la 7e et la 9e, comme ceci. Donc, étant donné que il faut avoir des très très grandes mains pour jouer cet accord là, ce qu'on fait en général c'est qu'on joue la basse une octave plus bas et le reste de l'accord, ce qu'on appelle le voicing, à la main droite, on va le jouer dans cette position là, donc tierce, 7e et 9e. Ça c'est très important de respecter l'ordre de ces notes. Le deuxième accord, il va faire ceci. Alors ça va être mi bémol, la et ré. Alors par rapport à l'accord de fa, quoi ça correspond? C'est un accord un peu barbare qui s'appelle l'accord de Fa 13e. Par rapport à notre accord de Fa 7e, la 13e correspond donc à la 13e note depuis le Fa. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc en fait, c'est comme si on rajoutait un Ré à notre accord de 7e, ça nous fait Fa 13e. Très bien. Alors du coup, pour jouer notre voicing en Fa, on va donc jouer le Fa d'abord en bas et ensuite on aura donc la 7e mineure par rapport à Fa, c'est la 7e mineure, puis la tierce et le Ré qui est la 13e. Et par rapport à notre Fa, ça nous fait donc effectivement un Fa 13e. Donc ça, c'est, ça nous donne une couleur très très bluesy et jazz en même temps. J'adore cet accord. Donc pareil, on va jouer la basse et le voicing. Donc si on enchaîne l'accord de Do, comme ceci, suivi de l'accord de Fa, on se rend compte que le Ré est toujours en haut. Et qu'il y a juste les deux notes Si bémol et Mi qui vont descendre d'un demi-ton. Donc le Si bémol va aller sur le La et le Mi va descendre sur le Mi bémol. Et ensuite on aura un accord de Sol 13e qui va se jouer comme ça. On aura donc la 7e, la tierce et la 13e de Sol, comme ceci. Donc le Sol d'abord et le reste du voicing ensuite. Donc nos trois voicings sont Do avec la 9e, puis Fa avec la 13e, et ensuite le Sol avec la 13e comme ceci. Donc ça ce sont nos trois accords à la main gauche. Et puis pour le rythme, on peut très bien jouer de cette manière là. On peut très bien faire 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Donc on va jouer donc la tonique sur le premier temps et l'accord sur le et
du deuxième temps. Donc c'est-à-dire juste après le deuxième temps. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez déjà jouer ça à la main gauche. En suivant une grille de blues standard. À la main droite, vous pouvez ensuite improviser sur la gamme de Do pentatonique, donc Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol, Do. Si vous voulez apprendre plein de techniques d'improvisation blues, il y a également une masterclass blues qui est en description. Donc une fois qu'on sait faire ça, on peut s'amuser à improviser sur la gamme Do pentatonique à la main droite et avec nos voicings à la main gauche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans le style blues ou jazz, vous pouvez aller voir les différents cours en ligne consacrés à ces styles qui se trouvent en description. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu sous cette vidéo ou vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions ou des suggestions pour des prochaines vidéos, et bien vous pouvez me les écrire en espace commentaire. En attendant, je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien!